Bonjour à tous, on est reparti pour notre live Styx, pour notre let's play, 100% en tout cas, toutes les médailles secondaires et les médailles jetons. Et donc on était en train de finir le niveau 1. Il nous restait encore 8 jetons à trouver quand même, mine de rien. Et on avait un objectif secondaire qui était de tuer 3 gardes du carnage. Et donc on en avait un sur les 3. Je crois qu'il y en a plus que 3 d'ailleurs, il doit être 5 en tout. Mais il en faut 3 en tout cas. Et donc c'est reparti, il nous restait 7 montgolfières à fouiller. Et voici en direct le chat, parce que un live sans le chat c'est pas possible. Hop là, donc il nous restait 7 montgolfières à attaquer. Ah mais commence pas toi hein. C'est à peine j'ai allumé que t'arrives, forcément. Donc, cet étage là. On peut pas grimper là-dessus ici. Donc là, on a une belle baie vitrée. Je suis au plus haut là. Mais il y a encore une baraque après, donc je suis même pas au dernier, à la dernière montgolfière en fait. Je suis à peu près au milieu, bon. Et l'objectif principal, c'est voler le sceptre qui se trouve là. Mais ça, on va le faire après. Alors. Eh ben, on va commencer à fouiller. Tiens, ben. On va commencer par se faire ce garde. Il n'y en a pas d'autre. Commence pas à me jeter. Voilà, au milieu des ennuis. Ah, il y a un garde là, zut. Il est tout seul ou... Ouais. Alors, est-ce que je peux descendre sans le réveiller? Voyons voir. Hop là, impeccable. Je saute sur le sofa. Je le tue dans une discrétion la plus totale. Son copain ne voit rien. Hop là. Si, si, hop. Il monte où, il monte où. Là. Oh merde, il y avait plein de monde. Ok, c'était le tour de chauffe. On se met en jambe, il n'y a pas de souci. Là, l'attaque était un peu ambitieuse. Ils étaient vachement nombreux et j'étais pas très discret. Oui. Mais fais donc, dodo, allez, dors. La discrétion n'était pas mienne. Mais c'est normal, c'est la petite mort de chauffe. Alors, on va y aller autrement. Un petit peu fort. Là. Donc, il y a un garde là-bas. Il y a un autre là. Il y a plein de monde là. Ah tiens, il y en a un là. Ah, c'est le pilote. C'est le pilote de tout le bousin, ça. Ok. Est-ce que je peux me le faire? Hop là. Tout en discrétion. Donc ça j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu de craft. J'en ai pas besoin mais bon. Voilà, j'entends quelqu'un marcher. Où est-ce qu'il est celui qui marche? Et celui-là? Beaucoup de bruit. Bon. Est-ce que je peux cacher le corps quelque part? Il n'y a pas vraiment d'endroit. Ouais, non.
Non, ça manque de planque. Bon, on va rester là-dessus. Alors, combien ils sont là-dedans? Voilà. A priori, il est tout seul. Alors, je m'occupe de toi tout de suite. Et il y a un petit coffre, on va pouvoir le cacher là. Voilà. Non, pas comme ça. Le temps que je retrouve mes touches. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est pour moi. Toujours pas de jetons. Parce que rappelons-le quand même, c'est ça qu'on cherche le plus. Ce sont les jetons éparpillés bah, partout. J'ai rien à crafter. Quelqu'un? Mais non, c'est le corps que je viens de mettre dans le coffre. Tout va bien. Là, ça donne sur le capitaine. Hein. Oui, c'est ça. On va quand même ouvrir comme ça. On s'en rappellera. Voilà. Donc, alors, du coup, c'est ici qu'il y avait le. Ben oui. C'est ici qu'il y avait les gars. Alors, lui, il dort. Du coup. Je suis suffisamment loin pour pouvoir le tuer sans que l'autre réagisse, non? Elle est plus à la rambarde, merde. Hop là. Ah, donc celui-là, il fait une ronde. Bon. Ça devrait être... Normalement, je suis assez loin. Voilà, alors ça... Voilà l'exemple du chat qui me pourrit ma partie. Merci le chat. Puisqu'il vient de sauter... Enfin, il vient d'appuyer sur la barre espace. Avec son gros cul de chat, hein, gros cul de chat. Et comme j'ai pas sauvegardé, voilà, bravo, bravo le chat. Oui, oui, bah tu peux faire un câlin. Mais... Comme s'il n'y avait pas assez de place sur le bureau, quoi. Ah, mais pousse-toi. Bon, bah du coup... Ah oui, c'est j'avais rien sauvegardé du tout, donc j'ai tout à refaire. C'est super. On dit merci. Merci qui? Merci le gros minou. Oui, bah garde-les tes câlins. C'est bon. Là. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Il y avait pas de jetons ici. Aussi, je vais pas me faire voler. Donc, lui, on va se le faire tout de suite. Ça c'est quoi? Un crochet, mais j'ai le plein. Ouais, faut que je passe en mode sauvegarde plus intensive, puisque j'ai mon handicap. Donc, alors,
Il y a lui, et normalement il y en a au-dessus, non? Où il est? Ouais, juste derrière. Du coup, on doit pouvoir se... Non. Est-ce qu'on pouvait se le faire? Non, ça fait du bruit. Hein. Celui-là, il réagissait. Est-ce qu'ils auraient de la bouffe ou quelque chose? Ben non, par contre, il y a sûrement un jeton. Eh, mais j'ai des fléchettes. Oh, allez, on va faire une petite fléchette. Hop là. Voilà, comme ça. Il va se dire, mais que se passe-t-il? Mon copain est mort, comment ça se fait? Une crise cardiaque. Et là. Et hop. Ah. Alors, est-ce que c'était... That's Oui. number two. You are Garrett? Where'd you steal that one from? Un badge et un jeton. Ça, c'était efficace. Comme quoi, je ne fais pas que de la merde. Hop là, donc il nous reste combien? Il nous reste 7 jetons et un badge. Donc, ici, a priori, on est bon. On va quand même voir ce qu'il y a par là. Ça, c'est pour sortir, d'accord. Il n'y a rien sur la terrasse. On peut-être aller voir. D'accord, on aurait pu rentrer par la fenêtre, mais nous, on est rentré direct par la porte. On est comme ça. Donc là, c'est pour redescendre. On verra tout à l'heure. Continuer sur cet étage-là quand même d'abord. Donc là, il n'y a rien. Là, il y a une chambre. Du craft. Une potion de soin, ça. Et ben, on va boire l'autre. Voilà, comme ça, on est au max. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore du craft. Ah, il nous manque vraiment un détecteur à jetons. C'est quand même... Je sais bien que c'est fait exprès, hein, mais... Clairement, ça manque. On va refaire une fléchette, du coup. Voilà. Tac. Allez, c'est reparti. Ça. Je suis déjà venu ici pourtant. Je n'ai pas ramassé cette chose. C'était du minerai. Bon, c'était pas très utile. Attends, je suis déjà venu ici ou je suis pas déjà venu? Oh, je suis déjà venu. J'avais dû oublier d'ouvrir la porte. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors. Donc, vu qu'on a dit l'étage était fait, on va descendre. On va se faire les gars en dessous. Alors, il y a lui. D'accord. Qui pourrait avoir une petite poussette dans le vide. Oh, ça va être trop long. Je sens qu'il va bouger avant que j'arrive. Ouais. C'est bon, il m'a pas vu. Il y a une alarme. On va essayer de pas se faire repérer par l'alarme. Hop. Seul, donc ça va. Allez, voilà le petit oiseau. C'est un cadavre ou c'est un mec qui est allongé derrière là? Ah non, il y a un contrebas, d'accord. Faut pas que je me perde trop, et je suis toujours sur le bon là. Alors, qui c'est qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Moult, moult! Il y a moult personnes et on sait même pas ce qu'elles font.
Ouais, du coup j'ai changé d'étage là. Ah non, faut pas que je me disperse de trop, sinon je vais jamais les retrouver mes jetons. Comment on rentre là-dedans? Il y avait une porte, mais... Allez, on tente la porte. Allez, venez voir. Pourquoi il vient pour lui, il est coincé? Ah oui, il est coincé dans l'escalier, ok. Bon, on va lui mettre une petite fléchette. Voilà, comme ça. Et donc ils étaient trois par contre, il est où le troisième? Juste là. Hop là, raté. Hop là, on va pas rester là. Discrétion, discrétion, monsieur. Voilà. Subtilité, discrétion et petite sauvegarde. Tiens, ah bah non, je peux pas, je suis encore en repéré. Ici, c'est qui brille? Oui, c'est toujours le même truc. Hop. Bon, maintenant qu'on s'est débarrassé des gens, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Que de la merde, j'imagine. Même pas un jeton. Bah non, ça aurait été trop facile. Ah, ils sont vraiment avares là-dessus. Ils sont vraiment avares. Bon. On continue. Il y a quelqu'un en dessous. C'est quoi ça? Ah, il y a plein de monde là. Deux petits gars en train de regarder un feu. Ouais, mais je m'en fiche un peu, moi. J'ai pas fini d'explorer mon étage. Ok. Crise cardiaque. Et ton copain. Là-bas. Pas l'avoir d'ici. Ah zut. J'aime bien comme tout le monde s'en fout. Hop là. Cette épidémie de crise cardiaque, c'est assez affolant. C'est inquiétant quand même, hein. Tous ces gens qui meurent de crise cardiaque. Peut-être il faudrait faire un bilan médical, quelque chose. Il faudra que j'en fasse des fléchettes du coup. Oh bah tiens. Coucou. Il y en avait totalement rien à battre. Est-ce que je peux l'avoir? Quand même se faire une petite sauvegarde parce que là je suis surpris qu'il m'ait pas vu avant. Tu me vois pas? Tu me vois pas? Bon bah écoute, voilà, tu m'as pas vu.
Qui reste-t-il? Qui reste-t-il? Et surtout, où sont les jetons qui me manquent? Voilà. Mettez où? Voilà. Voilà, mettez où? Pourquoi je chante ça? Non, j'arrête ça tout de suite. Un peu de sérieux, on est sur un stream quand même. On peut commencer à chanter des trucs. Surtout du Vianney. C'est quoi ça? C'est un corps ou c'est les pieds de quelqu'un? Mais là c'est la quête principale, donc j'ai dit que j'y allais pas tout de suite. J'y vais pas tout de suite donc. Oui. Alors, allons voir par ici ce qui s'y passe. Hop là, tiens, bonjour toi. Hop. Et... Disparition. Je suis quasi mort, je fais disparaître les gardes. Hop. Voyons voir. Là, il y aurait mon troisième garde secondaire. Bon, on va peut-être faire ça. Ouais, parce que du coup, on dirait que c'est le sceptre à côté. Donc, on va aller sur le troisième aéronef. Quatrième, je sais plus. Sur le suivant, en tout cas. Hop là. Il en reste un, là. Donc, toi, t'as deux potes morts. T'es là, tu vis ta vie, t'es bien. Ah, parce que c'était pas un garde. Du coup, tu sais pas quoi faire de ta vie. Si t'es un garde, t'as une épée. Alors, comment on va le jouer celui-là? Comme ça? Allez, viens. Ah bah, super. Bon, ça va, je m'en suis sorti. J'ai très mal négocié. En train de voilà. Alors, bon, de toute façon, c'était pas un que je voulais. Ça, manger des œufs, c'est toujours agréable. Hop là, hop. Et il y a pas de jetons. Il y a pas de jetons. Je suis déjà venu là. Ici, il y a rien. Bon, on continue. On va bien finir par les trouver ces jetons. Alors, la porte est ouverte, tiens donc. Pourquoi la porte est ouverte? Je suis déjà passé? Aurais-je déjà venu ici? Oui, ça je n'ai pas là. On reste pas là, on reste pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu. Hop là, on va peut-être pas faire ça non plus. Voilà. Planqué ici. Alors, où sont-ils? Rien, vous m'avez pas pour chasser bien loin. Hein. Même pour passer la porte. Ok.
Puis il y a juste 40 cadavres ici, hein, mais bon, ne venez pas. J'ai pas le... Ah non, je peux pas sauvegarder. Il se met pas contre le mur. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, petite sauvegarde. Alors du coup, lui, c'est mon dernier badge. Alors, le gars qui est là. Il dort. Je vais pouvoir passer sans qu'il me voie. Ouais. C'est quand même des gens qui se promènent avec des œillères sur le côté, quoi, parce que franchement, on passe quand même en plein milieu, quoi. Dans la vraie vie, vous les verriez, enfin, vous me verriez si je passais à côté de vous comme ça. Bon, on a quand même trouvé un jeton. Tiens, il y a plein de placards là, c'est impeccable. Allez, toi. Hop. C'est quoi ce truc là? D'accord. Alors, petit point, donc objectif secondaire, c'est fait, on a tout. Par contre, au niveau jeton, il nous en manque 6 encore quand même, hein, c'est pas rien. Donc on va continuer l'exploration, je pense qu'il en reste un là, oui, là. Attention, bouge pas petit, bouge pas, hop là. C'est bon, personne dit rien. Personne dit rien. Je vais refaire des fléchettes si je peux. Ouais. Ah, je peux plus. Et puis un petit crochet. Deux fléchettes, c'est déjà pas mal. Je vais reboire une petite potion de vie aussi. Voilà, on se met bien. Et on continue. Alors. Il n'y a personne de toute façon. J'ai l'impression que j'étais déjà venu ici. Non? Je sais pas. C'est peut-être l'autre côté qui se ressemble. C'est peut-être un peu miroir. Alors, combien vous êtes ici? 2. A priori que 2. Mais 2 côte à côte. Au moins une meilleure pote pour la vie. Ok. Ah oui, vraiment, meilleur copain pour la vie de toujours. Voilà. T'es où là pour voir ça? Tu devrais rien voir normalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un escalier. Où es-tu? D'accord, t'es là-bas. Observe. Ouais, par là c'est bien. Alors, regarde dans le coin du mur si des fois je serais pas dedans. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait.
Petit coin nettoyé. Donc, ce petit coin là est nettoyé, certes, mais ça me donne pas mes jetons, parce qu'en fait je cherche pas à tuer tout le monde. Hein. 95 tués quand même. Il y avait du monde dans ces niveaux. Alors, y a-t-il quelqu'un là? Non. Non, y a personne. Tranquille. Encore une table d'artisanat? Ouais. Ah, mais j'ai plus rien. Attends, qui a vu là? Comment il peut voir ça? Ouais. Tu peux abuser le champ de vision quand même, là, au bout d'un moment. Le gars voit à travers le plancher, quoi. Là, je peux comprendre, j'ai fait du bruit. Bonjour Samali. On se replace, on se replace. Voilà. D'accord. Bon, tu voulais pas me tuer en fait. Il s'est ravisé. Il a dit, ah là là, mon copain est mort. Oh, ça a l'air dangereux. Non, tout va bien. Quand même des petits bugs d'intelligence artificielle, hein, mais bon. Quel jeu d'infiltration n'en a pas? Ah! Un jeton, allez, plus que 5. On y arrive, on y arrive. On va sûrement. Enfin, j'espère y arriver avant la fin de la journée. Voire avant la fin de la session, ce serait bien. On est à combien là? Une petite demi-heure. Une demi-heure pour trouver 5 jetons, ça fait pas beaucoup, hein, on va voir. Peut-être sauvegarder quand même. Si je perds un peu trop l'habitude de sauvegarder, je vais avoir des surprises. Ouais, j'ai l'impression d'être déjà passé dans ces décors là. Ça doit être vraiment le reflet de l'autre aéronef qui est complètement l'opposé de la carte. Parce que franchement, j'ai l'impression d'être déjà venu. Il me semble bien qu'il y a un gars là par là, mais. Et non, du coup. Non, je croyais. Vous êtes déjà tué. Pas de jetons. Pas de jetons. Il y a quoi là-dedans? 102. Donc il y a lui qui est là et l'autre qui doit être derrière la porte. Ah, il s'éloigne, ça va être l'occasion. Il vient par là ou il s'éloigne? Non, il s'éloigne. Bah. Non, il n'y avait pas un mec là? Bah, il n'y a plus personne. Division. Allez. Et de 6, plus que 4. On approche du but. Tu tournes dans quel sens? Comme ça, très bien. Moi je tourne aussi. Et hop. On est à nouveau dans la partie un peu sombre. Il va falloir que je retourne dehors parce que. C'est vrai qu'on voit pas grand chose là. C'est pour ça que j'éteins pas les lampes torches en fait. Est-ce que j'ai récupéré de quoi faire des fléchettes? Non. Par contre, je dois pouvoir faire une potion. Ouais. Hop. Oula, 3 personnes.
Nous avons du monde à côté. Alors. Ah non, oui, mais là c'est fermé. Et là, ça descend. Donc ils sont pas là en fait, ils sont sur le ponton. Eh ben ça tombe bien, je voulais sortir. Tac. J'avais dit que je voulais aller dehors. Alors, où sont-ils? Où sont-ils tous ces gens? Là. Il y en a deux. Et donc il y en a un troisième qui doit se planquer derrière. Soyons stratégiques. Comment on va les choper le plus facilement? Ah bah s'il vient en plus. Ah voilà, le chat. Bah oui, c'était trop facile. Je commençais à me dire, bah c'est pas normal, je vais gagner. Non, non, bouge pas la souris. Bah oui, c'est important de faire la petite difficulté du chat, parce que sinon... Heureusement qu'il est là pour me coacher. Et me rajouter de la difficulté. Allez tiens, toi tu vas bronzer en terrasse. Hop. Je vais sauvegarder avant que le chat fasse une connerie. Me fasse faire une connerie pour être plus précis. Hop. Hop. On va s'en remettre. Hop. Allongé. Ils sont où tout le monde? Attendez, là, vous étiez 3-4 là et y a plus personne? C'est quoi ce bordel? Il est là. Trop long, trop long, trop long, trop long. Hop, si c'est bon. Bon, ça va que l'équipage est quand même globalement myope. Hein. Toi, tu vas bronzer là, il n'y a pas trop de soleil, mais tu vas être là quand même. Ok, là on est revenu au point de départ. Et donc le troisième. Le troisième, je dois pouvoir le choper. Hop, il s'est retourné trop tard. Non, par là, par là. Coucou. Bon, je ne vois toujours pas de jetons sur les 4 qui me restent à trouver. Ça, les 4. Allez, on fait un petit effort, on va bien réussir à les trouver quand même. Mais vraiment, je suis persuadé d'être déjà venu là, ce qui est pas possible vu les... Les gardes sont déjà morts, mais... Ah, un jeton. Plus que 3. Allez, c'est faisable, et après on finit la mission. C'est quoi ça? Ah, c'est la sortie du niveau, d'accord. Donc c'est ici qu'on s'en va. Quand on aura tout trouvé. Ça, on ne doit plus rester grand monde, là. Mine de rien. Je dois avoir à peu près... Tuer tout l'équipage, à peu près. Là, j'ai déjà ouvert les portes, je suis déjà venu, là aussi. Je crois que c'est en dessous hein, que j'ai pas fait, c'est la cale. Par où on descend? Non. Où est l'escalier? Il doit y en avoir un autre qui descend plus bas encore. Personne dans cette chambre? Non? Il y a un placard. Ah! Un autre jeton! Plus que deux. Eh, on progresse à pas de géant, ma parole! Par contre, je suis définitivement déjà venu ici. Ça, c'est sûr. Hop. Donc. Deux jetons. Où pourrait-il être caché? Et ben, on va aller voir en dessous. Je
descendre. J'ai déjà été en dessous en fait. Oui, je vois les gardes, ils sont morts. Oh putain, qu'est-ce que c'était toujours le chat. Sérieusement. Donc ça c'est les gardes que j'ai tués tout à l'heure. Mais je suis pas descendu jusqu'en bas. Ah peut-être que si. Peut-être que si. Peut-être que si. Qu'est-ce qu'il y a par là? De l'ambre. J'ai toujours pas de quoi crafter. Si je passe par la fenêtre. Hop là. Est-ce qu'il y a un étage en dessous? Non, je suis au plus bas. Bon, il reste deux jetons. Et la sortie sera par là de toute façon. Donc on va aller avancer le niveau principal. On va aller voler le sceptre. On va un petit peu faire la mission, quoi. Ben, si on trouve... Si on trouve au passage notre jeton manquant, enfin nos deux jetons manquants, ce sera bien. Par où que c'était? Il faut descendre. Je sais même plus si j'avais fini tous les gardes qui étaient à côté, mais on va voir. Bon. Oui, là il y a un cadavre. Hop. Je crois que j'avais eu tout le monde. Donc la voie était libre. C'est bon. Tiens, ça c'est pas un jeton ça? Eh bah si. Allez, plus qu'un. Je m'inquiète un peu d'être passé à côté de celui-là, mais bon. Plus qu'un, on peut le faire. On peut le faire dans la session. Artisanat, non, j'ai toujours pas assez. Donc, direction le sceptre. Il est où en fait ce sceptre? Il est encore en dessous? Ah, il est encore en dessous. Alors, y a-t-il des gardes? Y a-t-il un quelconque système de sécurité? Ou est-ce que c'est open? On peut y aller comme on veut. Ce serait pas un jeton sur la table? Eh, mais dites-moi. Mais si! 20 sur 20, c'est bon! On a tous les jetons, maintenant on peut s'occuper de la mission principale. On a fait la mission secondaire. Faut juste pas mourir bêtement. Et pour cette mission, ce sera tout! De Dieu! Alors où es-tu, toi? Qui entend? Toi qui entends? T'es par là? T'es au-dessus? Ah non, t'es juste là. Hop! Coucou! Oui, tu étais le dernier homme vivant sur ce bateau. Eh bien, tu... Voilà. Tu viens de rejoindre tes camarades. Hop, allez. Direct, go le sceptre. C'est par là. Il n'y a pas de garde. Non. Bon, bah écoute. Pas de garde, tout va bien. So now what? I'm gonna crash in singing happy birthday. Sneaking into the little trap door above the entrance is more my style. Et hop là. Cinématique. Get out. As you wish, sir. Moi je suis venu chercher ce bâton. Voilà. You seem to have grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah, I can talk. Fuck you. Can you change into a sandwich? Let's get lunch. Your resistance is remarkable. Nothing personal. Oh, so you're using amber, are you? In fact,
It is personal. What's going on? A goblin! He stole the scepter! Alarm! Alarm! Ah, alarme, normalement ils sont tous morts, hein, mais bon. I will find you and I'll shut that scepter where the sun don't shine. Sun don't shine, ouais. Bon, après, c'est pas très crédible parce que normalement je les ai tous tués, mais bon. Bon, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais, il n'y a pas de nouveaux jetons. Donc, je n'ai qu'à quitter le bateau. Donc, on a vu la sortie tout à l'heure. C'était par là. Hop là, pas comme ça du tout. C'est une manière de quitter le bateau, mais c'est pas la bonne. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? T'es un petit peu rapide sur le quittage de navire. Y a pas d'eau. Donc faut pas y aller comme ça. Pour faire apparaître deux gardes, de toute façon. La polaire. Non, on dirait pas. Donc ça devrait aller assez facilement. Là. Ah, parce qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Hop. Comment je suis remonté, moi? Si, je peux aller par le canapé. Hop. Bon, là, tout le monde est mort. Bon, à partir du principe que normalement, c'est nettoyé. On devrait pas être emmerdé. Ok. Hop, troisième navette. Je vérifie quand même si la voie est libre à chaque fois parce que ce serait bête de mourir maintenant. Bon, ça a l'air bon. Je vais faire une petite sauvegarde des fois que je me foirerai. On n'est pas à l'abri. Le gars nous a déjà habitués à pire. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Des choses qui arrivent. Tac, tac, tac. Comment je monte déjà? Il n'y a pas un empilement de caisses? Non. On monte là-haut. Grimpe là-dessus? Non. Escalier. Là. Non, non, non. On l'escalier. Et voilà la sortie. Émission accomplie. Shape-shifting elfin and thief. I hope that Haladrin will believe this.
Et ben voilà, mission terminée, toutes les affiches, ça c'était pour les fois d'avant, toutes les insignes. Bon, on n'a pas un bon score en termes de points purs, mais ça on s'en fout, on a beaucoup de points de compétences, et c'est ça qu'on voulait. Donc normalement, la mission 1, c'était la mission 1 là, on doit l'avoir fini à 100%. On va vérifier ça, puis on va dépenser nos points de compétences. Où est-ce qu'il est le truc pour rejouer? C'est le bouquin, voilà. Donc, le prologue à 100% avec toutes les médailles, c'est fait. La mission 1... Toutes les médailles, c'est fait, puisque j'avais fait le Célérité, le Ombre et le Clémence tout seul. Et on a fait le Voleur ensemble. Donc c'est bon, c'est fait. Donc prochaine fois, eh bien ce sera la mission 2. Donc il y aura les objectifs secondaires à faire, que j'ai pas encore fait. Bon, j'aurai le run Célérité à faire, je sais pas si je montrerai à la caméra. Mais il y aura le run Voleur à faire ensemble, l'Ombre et le Clémence étant déjà fait. Et ben voilà. Une bonne chose de faite, donc normalement je dois avoir pas mal de points de compétences quand même avec tout ça. Voilà, c'est là. 280, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec ça? On peut toujours pas s'acheter ça. En fait, il faut des quartz, je sais pas où on a des quartz. J'espère les avoir bientôt, parce que il y a le pouvoir, notamment là, qui permet de voir les jetons à travers les murs. Et ça, bah, j'aimerais bien. En attendant, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Alors... Ça c'est pour rester invisible, je m'en sers jamais. Ça c'est pour pouvoir attaquer depuis au-dessus des gens, ouais peut-être. Les recettes de craft, alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Un toxique. D'accord. Piège d'acide. On peut faire des pièges. Ah. Solution acide, ça c'est pour faire disparaître les corps. Cocon, ça c'est pour les clones. Je m'en suis pas servi encore des clones. Oh, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en fait. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est pour parer mieux. Permet de récupérer l'objet. Porter durant l'assassinat. Ah c'est bien ça. On lui pique ses affaires en même temps qu'on le vole. Ah ça peut être intéressant, mais je vais pas avoir assez de points. Ça c'était pour fabriquer des crochets, donc faut que je le garde. Bon, on va faire ça. Donc on va faire attaque volante. Tac. Et en prévision après de faire chapardage. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. J'ai... Pourquoi il me dit ça? J'ai pas assez de points. Non, ouais. Non, nous on voudra chapardage. De toute façon, là je peux plus rien m'acheter. Peut-être un craft, non. Non. Et non. Bon. Et ben voilà, ça c'est fait. On pourra maintenant tuer les gens par le haut. Donc prochain live, et ben ce sera la mission 2. Puisque la mission est terminée. Donc et bien je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez.